Est-ce qu'il y a un règlement de compte dans vos films? Est-ce que vous avez le sentiment de régler des comptes, des fois, avec vous-même, par exemple? Vous avec moi-même, que ce serait. De vous mettre dans des situations où vous êtes. Effectivement, vous avez souvent le mauvais rôle. Enfin, vous vous donnez, vous vous dévaluez. Bah, vous le disiez... cocu, c'est déjà pas mal. Dans Loulou. J'ai été pas particulièrement cocu. Je connais beaucoup plus cocu que moi. Oui, pourquoi vous filmez des histoires où vous êtes cocu? C'est vous qui décidez de. C'est donc parce un, que, c'est donc un parce sujet. Parce que voilà, je viens de vous le dire, moi je quitte pas. Alors comme je quitte pas, je suis quitté forcément. Oui. Et quand je suis quitté, je suis cocu. Mais quand une bonne femme vit avec moi, enfin vivait, je vis plus moi. Mais quand une bonne femme vivait avec moi, et puis qu'elle tirait un coup, comme beaucoup de couples aujourd'hui, et puis que moi aussi, ça c'était pas cocu. C'est la liberté. C'est la liberté. Mais quand une femme se barre, alors c'est cocu. Alors là, je deviens... Et même si je souhaitais qu'elle s'en aille depuis je ne sais combien de temps et que je n'osais pas la virer. Mais vous ne supportiez pas qu'elle s'en aille? Non, c'est s'en aller, c'est... Puis c'est la solitude aussi. C'est le... Pas la solitude, mais c'est... l'abandon. C'est l'abandon. Et c'est le thème de l'enfance nue. L'enfance nue. C'est un thème C'est l'abandon. D'ailleurs, je crois que depuis que je traite plus l'abandon, j'ai perdu... J'ai perdu. Bah pourtant, je vais être abandonné, là, encore une fois. Mais alors, on n'est plus là pour voir ce qui se passe. C'est emmerdant. Vous aimeriez assister non, à la scène où vous ne seriez plus non, là, non, c'est ça je fais un scénario, ce que je ne tournerai probablement pas, mais qui est encore plus difficile à faire que le truc avec Antoine, où là, il y avait cette espèce d'amour... insensé d'un père pour son fils dans le garçon, oui. Et une certaine réciprocité dans la mesure où un enfant est capable de faire quelque chose et j'ai pu constater que c'était intournable en tout cas par moi. Benigni il peut peut-être le tourner lui mais pas moi. Mais quoi, c'est quoi cette scène? Ah, c'est pas de scène, c'est non. L'amour d'un à toutes les occasions on voit que ce type est fou de son fils quoi. Probablement que ça peut arriver assez souvent aux hommes qui ont eu des enfants sur le tard, je sais pas. T'as l'œuvre entière du plus grand peintre de notre époque et t'en fais rien. T'es le plus grand peintre maintenant. Exactement, c'est moi. Et tu dors sur mon œuvre, mes toiles sont sous ton lit. Où tu veux que je les mette? Expose-les. Et tu veux pas, tu veux que je ressorte tes lettres? Une œuvre entière qui t'aura pas coûté cher. Mais comment tu peux dire ça? T'es horrible, Vincent. Hein? Un jour, ça cassera. Si tu continues comme ça, je pourrais plus te soutenir. Me soutenir? Non, mais laisse-moi rire. Finalement, t'es qu'un vulgaire marchand comme les autres, un exploiteur d'artistes, un négrier. Tu amasses une œuvre que tu achètes au dixième de son prix. Et pour 150 francs par mois, tu as au moins 20 toiles de moi auprès d'une seule toile d'un impressionniste de deuxième zone. C'est une mauvaise foi écœurante. Mais tu dois t'écœurer toi-même à dire de telles monstruosités. Maintenant, il y aura vraiment quelque chose de cassé entre nous. Ben, cassons. Je demande que ça. J'ai pas peur. Je vais m'en sortir. Ça sera bien mieux comme ça, je faisais que de la mendicité. Tu mens, mais tu mens, toutes ces toiles sont à toi, hein, seulement à toi, pour toujours. Ah, des mots, des belles phrases, pour toujours. Et si je mourrais, à qui elles iraient ces belles toiles, hein? À qui, dis-le? Vous seriez bien capable de les foutre en l'air comme maman l'a fait à Nunem? Vous n'avez jamais cru en moi dans la famille. Personne. Foutez-moi ça en l'air, je disais. J'ai jamais dit ça, mais vous avez été chercher ça. Je le sais, c'est tout. Quand même, tu m'as étouffé. J'aurais travaillé plus fort, j'aurais fait de bien meilleures choses. Je le sens bien, j'ai rien fait d'important. Mais ce thème de l'abandon, vous parliez, donc l'enfance nue, c'est l'enfant abandonné. Oui. Après, vous filmez des hommes qui sont abandonnés. Même Van Gogh, il est abandonné. Bien sûr. Il est abandonné. Un peu. Hein? Il était même blues. Alors Van Gogh, lequel louperie, ça. Je ne suis pas d'accord. C'est Van Gogh. Je ne suis pas d'accord. C'est sur le thème. Non, même ça, si on laisse... machin de côté et tout, sa façon de jouer. Non, non, ça n'a rien à voir. Non. Avec l'acteur, mais c'est... C'est un mec qui a été blousé. On l'a escroqué, quoi. Il a été... C'est ça le sujet du film. Que j'aurais tourné, moi, si j'avais été moins bête et que j'ai plus... C'est ça que vous avez... Ça aide pas d'être paresseux, hein, des fois. C'est ça que vous avez tourné. Ah non, quand même pas, parce qu'on voit pas la mise en orbite de la Jandresse, de sa belle-sœur. C'est elle... Je tourne Van Gogh aujourd'hui, le personnage principal, c'est la belle-sœur. Je sais plus son nom. Et il a été blousé, quoi. Son frère lui filait rien. Ici, ah, quand je gagnais pas un rond dans le Cinoche ou que j'avais arrêté Olivetti et tout ça, si j'avais eu, par mois,
ce que le frelot filait à son frère. Oh là là, j'aurais vécu comme un prince pendant quelques années. Mais l'autre, il barbouillait. Alors, ça coûte cher, la peinture. Je le jure, ça coûte cher. Moi, je volais, j'en faisais des trucs pour... Je volais l'argent de la boutique. Mes parents, à ce moment-là, avaient acheté un commerce. Je volais l'argent de la boutique dans la caisse. Pour acheter le matériel. Mais comme mon père en faisait autant, et que ma mère, mon Dieu, on n'allait pas loin, ben, ils avaient déjà fait, pas faillite, mais... Voilà. Puis je te connais, là, têtu, bourrique comme tu es, tu liras jamais pourquoi tu... Mais non, mais il n'y a rien. Écoute. Je t'assure, il n'y a rien. Ça fait... un mois environ que t'as changé. Un mois? Oui. Et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, alors? On se parle pas beaucoup. Ouais, d'accord, mais c'est pas une raison. C'est toi, ouais, qui change. T'es tout triste, là. Je suis pas triste, je suis fatigué. Bah, t'as vu comment que tu bosses? Je crois que je vais vous quitter, Suzanne. Nous quitter? Oui. Et tu vas aller où, alors? Oh, ça me regarde. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, t'y penses? Mais... figure-toi que j'y pense, oui. T'auras ton frère. Un chef de famille, ton frère. Un frère, ça suffit pas. Hein. Tu vois, il y a un jour, on en a assez. C'est peut-être arrivé pour moi.